je me trompe pas, il y a un champ droit devant nous. Je croyais que j'ai... je serais plus. Après, on n'a plus qu'une seule forêt à traverser. On est presque arrivé. On est presque arrivé. On est pas presque arrivé, ça fait 4 jours, vous dites qu'on arrive, j'arrive plus. Je reste ici. Non. Laissez-moi. Non. Je me suis fait une promesse que vous allez survivre et je vais pas en déroger. Pourquoi? Parce que le monde aura besoin de vous, Marie. Pourquoi moi? Restez. Restez avec moi. Le monde aura besoin d'apprendre, d'élargir ses connaissances. Parce que vous êtes forte, passionnée à éduquer les gens. Ça va aller. Accrochez-vous. C'est fini! La guerre est finie! Allez! Accrochez-vous! Le rôle de l'éducation est fondamental car on a appris au fil du temps que les conflits malheureusement se multiplient, se répètent, ils ne sont jamais les mêmes. Mais ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on a vécu un conflit, il faut en tirer des leçons. Et ces leçons, elles doivent être portées par ceux qui vont transmettre la relation d'une histoire et de la signification de cette histoire, non pas pour faire perdurer des idées reçues, mais au contraire pour les surmonter. Les conflits, on le voit dans les relations internationales, naissent de crispations, de malentendus et y compris très souvent de méconnaissances. Or, cette ignorance qui aboutit malheureusement sur de l'intolérance et hélas par des conflits armés dévastateurs comme celui de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre, mais des conflits, on en connaît aussi aujourd'hui à peu près partout dans le monde, qui sont tout aussi dévastateurs. Ces conflits sont très souvent générés par l'ignorance. Les établissements scolaires sont ceux qui apportent non pas une vérité, mais qui apportent la connaissance. Et à partir de la connaissance, on est capable de fonder un jugement. C'est ce que fait le collège Stanislas, c'est ce qu'apprennent ses élèves, et je crois que la contribution du collège dans le cadre de la commémoration du centenaire va être décisive pour que les élèves comprennent bien que ce qui s'est passé il y a 100 ans les concerne eux aujourd'hui, pour ce qu'ils portent eux aujourd'hui, ce qu'ils vont faire eux demain, et ce que feront après eux tous les autres, demain, après-demain, et sur tous les siècles à venir. En 2018, le collège Stanislas de Montréal célèbre son 80e anniversaire. Cette année marque aussi le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cette guerre a eu un effet dévastateur sur toutes les sphères de la société occidentale de l'époque. Des empires s'effondrent à travers l'Europe. De nouvelles alliances se forment et l'effort de guerre considérable alors fourni par le Canada illustre bien cette réalité. Le geste de solidarité des troupes canadiennes a été gratifié par une profonde reconnaissance de la France et a scellé la naissance d'une relation particulière. La création du Collège Stanislas en est un bel exemple. Voyez-vous ce que je vois? Le bleuet a été conçu, créé justement pour apporter un élément d'espoir
un symbole de l'espoir de ce qu'était la solidarité nationale autour des victimes de la guerre, donc des blessés. Une des missions principales du Bleuet, c'était de permettre de collecter des fonds pour garantir l'éducation de ces jeunes enfants qui étaient devenus orphelins parce que leur père était mort sur le champ de bataille. La guerre est bel et bien terminée lorsque le Collège Stanislas ouvre ses portes en 1938. La filiale du Collège Stanislas de Paris, tout d'abord installée sur la rue Rockland, s'implante en 1942 sur son emplacement actuel. C'est le sénateur Dandurand qui est vraiment à l'idée derrière tout ça, grand homme. Et à partir de là, le collège a grandi avec le temps. Et donc, à partir de 1941, de plus en plus d'élèves, de plus en plus de, je dirais, une réputation qui grandissait d'année en année avec d'excellents résultats. Et donc, à partir de là, agrandissement, 57, la création de notre école primaire de l'autre côté de la rue, dans les années 60, construction d'un nouveau bâtiment, le pavillon Dollard, et ensuite, les années 70, un autre pavillon, et encore dans les années 2000, un autre. Surnommé affectueusement Père Muche, Lucien Muche-Amblède est né le 27 mai 1922 à Saint-Narpont, dans la Somme. Il s'engage le 18 mai 1942 dans les forces françaises de l'intérieur comme agent militaire de renseignement des forces alliées. Après la guerre, il exerce les fonctions de directeur général du Collège Saint-Michel à Annecy, puis celle de directeur général du Collège Stanislas à Montréal. Il a été récipiendaire de nombreux honneurs. Chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite, officier de l'Ordre des Palmes académiques, titulaire de la Croix de guerre 39-45 et de la Croix du combattant volontaire de la Résistance. Le Collège Stanislas souhaite compléter ce palmarès en nommant le bâtiment situé sur la rue McEachern en son honneur. On parlera donc désormais du pavillon Lucien Muche-Amblède. À l'époque, on était souvent réunis, effectivement, avec le mot du directeur. Et tout de suite, dans le ton qu'il a employé, en commençant à s'adresser à l'ensemble des élèves, on a vu qu'on avait devant nous quelqu'un qui avait la volonté d'être bienveillant, de s'occuper de nous. Et tout de suite, en l'entendant parler comme ça dans cette grande assemblée, on a senti le ton de quelqu'un d'apaisant. Il se sentait vraiment concerné par ce que chacun de nous vivait, que ce soit élève ou membre du personnel. Et donc, il était tout à fait authentique dans sa façon de communiquer avec les gens, de poser des questions, de poser pas des questions pour s'informer de façon légère. C'était vraiment profond, c'était quelqu'un qui était vraiment très attentionné. Et donc, c'était cet aspect très, très humain du Père Muche-Amblède qui était vraiment le plus apprécié. En plus de jouir d'une notoriété reconnue pour la qualité de son enseignement, dont témoigne le taux de réussite exceptionnel de ses élèves, depuis toujours, le Collège Stanislas se distingue dans le paysage de l'arrondissement d'Outremont. C'est également un pôle important de l'économie locale, ainsi qu'un acteur impliqué dans sa communauté. Pour moi, c'est essentiel de reconnaître un établissement par les gens qui la gèrent. Puis j'ai retrouvé des gens extrêmement chaleureux, ouverts, et surtout qui ont une volonté de toujours tenter d'aller plus loin dans la relation existante entre le collège et l'arrondissement. Il y a un lien évident entre le collège Stanislas et Outremont. Le dynamisme qui caractérise le développement du collège Stanislas à travers les années n'a pas empêché l'usure de certains de ses bâtiments. En 2016, le collège entreprend la rénovation de la grande façade qui longe le boulevard Dollard. L'esthétisme prend vie par l'utilisation de la sérigraphie du verre, qui est à la fois un clin d'œil à l'ancienne structure et un regard vers l'avenir. C'est justement de garder un œil sur le patrimoine, mais le collège a fait un excellent choix en gardant du vieux, en intégrant du nouveau. C'est très bien fait, d'ailleurs. Dans les sérigraphies qui sont intégrées dans le vitrage, les architectes ont pensé à faire un clin d'œil à l'ancienne façade des années 60. Tourné vers la modernité, le caractère contemporain de la nouvelle façade correspond à l'esprit de l'époque et s'harmonise avec les constructions récentes, comme celle du nouveau campus de l'Université de Montréal. Stanislas a toujours eu cette volonté de penser au-delà de son bâtiment. Il y a aussi les deux rues qui accompagnent, je dirais, Stanislas dans son évolution dans ses 80 dernières années. Moi, j'ai l'impression que les arbres qu'on a sur l'avenue McEachern, sur l'avenue Dollard,
on grandit en même temps que le collège. Si je suis aujourd'hui diplomate, c'est parce que je crois sincèrement que le monde peut être meilleur, parce qu'on se connaît, parce qu'on se rencontre. Ce ne sont pas des mots vains. Je ne crois qu'il faut jamais baisser les bras. Parfois, dans le monde contemporain, même dans le passé, c'était le cas, on hausse les épaules, on se dit que finalement, à quoi bon? Mais je crois que ce fatalisme-là ne devrait pas être à l'ordre du jour. Aujourd'hui, bien sûr, comme hier, le monde est plein de défis, de dangers, de risques. Mais je crois que tous ceux qui ont relevé tous ces risques avant nous, tous ceux qui ont mené ces combats, qui étaient légitimes, qui étaient beaux, qui sont les nôtres aussi, nous devons porter l'héritage. Parce que nous pouvons porter aussi notre part à nous. C'est aussi tout le rôle, toute la mission des établissements scolaires. Mais c'est le rôle de chacun des citoyens, chacun d'entre nous. À tous les gens associés au collège de M. Dandurand, à aller aux gens qui sont là présentement, à tous les gens qui soutiennent l'organisation du collège ici au Canada, mais aussi en France, joyeux anniversaire. Vive le collège Stanislas à Outremont pour un autre 80 ans. Bien évidemment, les valeurs de respect, de solidarité, de responsabilité seront toujours à la base du regard ouvert sur le monde qui nous attend. Joyeux!